Marcus Bonus! Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Fallout 3 avec toujours une quantité affolante d'ennemis. Prêt à m'en mettre ras la couenne. Non, non, je vais pas faire comme ça. Hop! Si je dois faire quelque chose, je dois le faire bien. Voilà. Et il arrive. Aïe. Toi, connard. Merci pour tes armes et tes munitions. Hop. Mensonge version congrès. Ça doit être charisme, ça. Non? Je me trompe? Discours. C'était pas loin. Tant que ça ne va pas par mon côté, ça va. Sac à gore. Miam miam miam. Miam miam miam. Je suis trop lourd? Je suis trop lourd apparemment. On va prendre un petit peu de points de vie alors. Hop. Voilà. F5. Oui, donc là, c'est pas pour tout de suite encore. Alors. Oh putain, je crois qu'il allait passer devant moi. Excusez-moi, j'ai complètement stressé. Bon. Déjà ça. Ouh là là. Oui. Putain. Je déteste ces saloperies, je déteste ces bestioles, ils font extrêmement mal. Enfin, pas les petites, mais les grosses. C'est une brute!
Allez! Change d'arme! Hop, je suis en train de prendre très très cher, c'est pas grave. Tiens. Ah putain. Mange. Putain. Gros sac. Non. Tu ne pèteras pas. Réparation, il m'en faut au moins ça. Bam. Troc, je suis à 55. Crochetage, je suis à 50. Médecine, je suis à 30. Discrétion. Ça pourrait être intéressant aussi. On va mettre ça en discrétion. Voilà. Alors, entraînement intensif, esprit vieux, garçon, papa, nanana, de femme. Canaille 2. D'accord. Bandit armé en canadien d'un pistolet, d'une arme à la précision du SV étamé. Ou d'une arme à une main, d'accord, ok. Robustesse sanguinaire, oui, d'accord, oui, ça me dit quelque chose aussi, ça. Robustesse non. Il y aurait bien bandit armé qui me plairait. Hop. C'est parti, on va là-dessus. Forcément. Bon. Ça veut pas, hein. Voilà. Là, ça voulait. Alors. Armoire. Pétard. On va tout prendre, puis on va réparer ensuite ce qu'on pourra, hein. Quelles grenades frag, on sait à quel point elles sont efficaces. Ok, bon. Alors, niveau réparation, chers amis. Hop. 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 Parfait. Bon, bah on est descendu en dessous des 200. Donc de ce côté-là, on est plutôt bon. Seul problème, c'est que niveau santé, on n'est pas top. On en a récupéré un petit peu, mais je m'attendais pas à tomber sur un. Sur une brute, à vrai dire. Parfait. Hop. Parfait, parfait. Bah, continuons, écoutez, chers amis. Nous verrons bien où ça nous mène. On a pu voir le petit point vert. C'est normal. Ce qui m'intéresserait plutôt, c'est de voir s'il y a d'autres points rouges. Apparemment, c'est le cas. Apparemment, c'est le cas, mais je crois que ça doit être un. Ça doit être un comment? Ça doit être un rat de cafard. Que disais-je? Que disais-je, que disais-je, que disais-je? Parfait, je crois que j'ai eu tout le monde. Ou presque. C'est pas grave. C'était donc le geôlier, bah oui, je suis stupide.
Alors, j'espère que vous n'entendez pas tout ce que j'entends, chers amis, ce serait vraiment dommage. Mais oui, je me rappelle de toi. Cependant, permets-moi de vérifier qu'il n'y ait personne d'autre. Et surtout, rien d'autre là-dedans. À part des cadavres, bien sûr. Non, apparemment, il n'y a personne d'autre. Pourquoi celle-là n'est pas ouverte par la clé? C'est marrant. Les baleines volantes ne parlent pas. What the fuck? Si vous le dites. Bon. Faire les poches, peut-être pas. Madame? Vous venez me sauver? Oui. Oh, merci. J'ai bien cru que c'était fini. Je crois que les autres sont morts. Ou pire. Oui, peut-être. Contente que vous soyez en vie. Pas une capsule. Vous croyez que j'ai demandé à ces super... Ah. Ce n'est pas mal. Je vous suis très reconnaissante. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre? Tous les autres sont morts ou ont été Ah, emmenés. d'accord, donc c'est Oh, inutile. sauf Shorty, peut-être. Mais... Attendez ici, je vais voir si on est de Je ne vais Shorty. pas attendre ici qu'un super mutant... Il y a une porte dans le coin. Si vous revenez pas vite, je pars sans vous. Si je suis pas là à votre... D'accord, bon ben. What? Elle me renferme. L'air de rien. Commissariat de Germantown. C'est parti, on y va, chers amis. Si c'était dur avant. Ah bah non. Shorty aux cuisines. Alors, ici. Quête. Secourir Shorty aux cuisines. Mais j'ai pas vu les cuisines! Et qu'est-ce qu'ils... Ah oui, c'est en dessous, si je suis con. Je suis débile. Je les ai vus en plus. Apparemment, ils l'ont traîné et il a pas apprécié. C'est parti. Je crois que j'ai compris ce qu'ils appellent les cuisines. Plutôt ce que nous on appellerait chez nous un garde-manger par hasard. C'est dégueulasse. C'est pas si moche. Ça c'est un stand de tir ça en fait. Tout connement. Hop. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière la porte numéro 1? Oh oh! Gagné! La meilleure arme du jeu, chers amis, on vient d'en trouver une. Voilà. Vous savez, c'est l'arme dont je vous avais parlé et que je n'utilise jamais. Gorge et peine. D'accord. Alors, premièrement, on va quand même aller réparer les différents fusils qu'on a pu trouver. Parce que nous sommes à 245, ce qui est énorme. En l'occurrence, c'est peut-être. Ah, bah merde. Alors, on a un problème, chers amis. Nous sommes full. Nous sommes full, full, full. Alors, dents d'hiver, qu'est-ce qu'on a comme caca? Bras mutilés, ça pèse lourd, on les vire. Jambes mutilées, organes mutilés. Déjà ça d'enlever, c'est toujours ça de gagner. Là-dedans, non, non. Armure à pointe de raider, on gagne ça aussi. Et si je peux virer un pistolet 32 et... J'avais pas un fusil d'assaut chinois, un fusil d'assaut normal. D'accord, le chinois apparemment est plus efficace. Quand même pas virer un fusil de calibre 12 de combat. Il me faut 46. Ah, cette blague. Putain. Il me faut 46. Bon bah je vais virer un fusil d'assaut de combat. Un fusil de calibre 12 de combat.
C'est pas grave. Non, pas comme ça. Pourquoi pas, c'est marrant. J'ai l'impression d'être ailleurs. Hop. Bah non, c'est marrant. J'ai pas l'impression d'être au même endroit. C'est tout con. Alors, n'ayant pas encore entendu de vilain pas beau. Je me pose certaines questions. Mais bon. Ceinture de cuir, oui, c'est toujours. Espèce de monstre. Tu vas me bouffer, c'est ça? Non, j'ai été stupide et je pense que faut que j'arrive vite. Si vous voyez ce que je veux dire. Tu vas me bouffer, c'est ça? Ouais. Ça se pourrait. De petit. Oh mon Dieu, tue-moi vite, je t'en supplie. Je vais t'éclater la cervelle. Ou pas. Par contre, t'as une superbe armure. Allez, prends-moi le pistolet. Boum. Voilà. Il l'a tué? Il l'a pas tué. Oh. Si on n'est pas les meilleurs, chers amis. Ah. Oh, t'es encore en surpoids. Oui, je sais. Et alors? Ça ne dure qu'un instant. Bon, un sac à gore, une boîte en métal, un Nuka-Cola Quantum. Franchement, ça va utiliser aussi un de ces quatre, tous ces trucs-là. J'en ai déjà un petit paquet. Lampe témoin. Là, 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 des saucisses. C'est génial. J'aime bien être ici, moi. J'ai pris des dégâts. Bah écoutez, on va prendre de la bouffe. Et regarde-moi manger alors que tu es attaché. Bon, ça, je l'ai pas mangé le bouquin. Ragoût d'écureuil. Nanana, steak, steak, steak. Viande de mouche. Bah oui, parce que bien sûr, on en a donc autant en profiter. Oh là 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 là, je fais tomber des choses. Bouffe craignos. Pourquoi pas? Et un petit peu d'eau. Voilà. Bon, bonjour mon cher Shorty. Merci. Qui êtes-vous? Oh, peu importe pour l'instant. Allons chercher Red et fi... Passez devant. Red va bien, en route. D'accord, si vous le dites. Mais si elle n'est pas là quand on arrivera. Allez, derrière moi. Je suis juste. Sauf problème, on n'a plus personne dans le dos. Peut-être par contre on a une sortie quelque part, non? Je vais regarder la carte plutôt que de me balader inutilement. Non, on n'en a pas. Bon, parfait, on y va. Au moins maintenant on est au courant.
c'est là. Reste à savoir maintenant si on n'aura pas quelqu'un devant. On va les avoir. Si, il y a du monde. Eh mon pote, fais gaffe à la tête. Ça fait mal? Alors j'espère qu'ils ont simplement pas tué la fille. What? Oh que c'est laid. J'avais oublié ces bestioles là. Oula la caméra. Reprends-toi. Casse-toi de devant moi. Qu'il est con. Hop. Pas trop tôt. Faites que Shorty soit en vie. Que Red soit en vie. Que j'ai pas fait tout ça pour rien. Bon, retournons à Big Town. Allons-y. Je déteste cet endroit. Oui, mais tu y es. Il les a sauvés. Quoi? Je vous avais dit que je compte pour rien. Mais vous ne m'avez pas écouté. Vous ne m'écoutez jamais. Bah oui, je t'ai sauvé. Merci de nous avoir aidés. J'espère qu'on arrivera à survivre à une autre attaque. Probablement pas. Qu'est-ce qui va arriver à Big Town? Vous connaissez ces super mutants et leur appétit. Big Town ne pourra jamais survivre tant qu'ils seront là. On verra bien. On verra bien. Flash, Red, 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 Red. Oh, je suis contente d'être de retour, ça n'est sauve. Tu m'étonnes. Vous avez l'intention de me récompenser pour votre sauvetage, pas vrai? Oui, bien sûr. Tout professionnel mérite d'être payé. Merci. Tenez, voilà. J'aimerais pouvoir vous donner davantage. Je vous ai sauvé la vie et c'est tout. Vous pouvez sûrement faire un effort. Je garde oh. L'argent qu'il me... Ça a été avec plaisir. Alors... Je vais rester et tuer les mutants. Ils devraient les laisser en... vous laisser en paix ensuite. C'est vrai? C'est super. Alors, juste une chose. Chargez. Voilà. J'aurai plus de crédit. J'espère qu'on est d'accord, chers amis. Vous m'avez entendu. J'aurai plus de crédit. J'étais stupide de pas charger. Il ne faut pas oublier de garder un œil. Merci de nous avoir aidés. De rien. Qu'est-ce qui va arriver? Nanana, voilà. S'il est mute. Parfait. Fais ce que tu veux. F5. Barrez-vous tout le monde, bien sûr. Non mais ça y est, ils n'en peuvent plus. Tout le monde se barre. Tout le monde était content avant et là tout le monde se barre comme si j'avais rien fait. Alors discours plus 5. Oh, ma récompense. Vous allez maintenant me récompenser pour votre sauvetage, pas vrai? Oui, bien sûr. D'accord. Je garde l'argent. J'ai pas sauvegardé, n'est-ce pas? Si, j'ai sauvegardé. Oh. J'ai été intelligent. Dis le mec qui a pas pensé la première fois. Vous avez l'intention? Oui. Échec. F9. Je ne supporterai pas le moindre échec. Je garde. F9. Hey. Je vais y arriver. Je garde. J'ai dit que j'allais y arriver, chers amis. Et vous rendez compte quand même que j'ai quand même 50% à peu près de chance d'y arriver et que je n'y arrive pas. Hein. J'ai mis 10 en chance, autant vous le dire. Hein. J'ai mis 10 en chance. Ça y est. J'imagine que je peux vous donner ça. C'est l'argent que j'avais mis de côté pour acheter du matériel. Je sais que vous avez déjà risqué votre vie une fois. Mais j'ai entendu les mutants parler d'une autre attaque. Ils devraient être là bientôt. Je vais rester et tuer les mutants. Ils devraient vous laisser en paix ensuite. C'est vrai? C'est super. Sauvegarde.
qu'on peut attendre genre 12 heures pour pouvoir voir le réveil, enfin pour pouvoir voir le comment le pardon le jour. Hop. J'ai hâte que ce soit la baston, moi. Wow! Eh bien écoutez, chers amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce briser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un oeil donc, sur mes liens donc, dans la description de l'épisode pour pouvoir, par exemple, précommander Fallout 4 ou encore d'autres jeux. Quant à moi, je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom et j'enchaîne avec un troisième épisode. Salut les gens!